Et nous allons commencer avec le sourire pour se dire que voilà. C'est. Merci. Donc, ouais, oui, voilà. Donc, il y a les mines de Natla, l'Atlantide et la Grande Pyramide qui sera le dernier niveau. Et si je me souviens bien, l'Atlantide, ça va être un niveau très vertical où on a vu Natla poser le sion. Bah, en fait, l'objectif, ça va être de la rejoindre. En mode. Oulala! Tac tac badaboum. Et là, les Uzi vont parler. À droite. Oh mais please, la manette quoi. Allez, un dernier effort. Bon, j'aurais pu essayer la porte, elle s'ouvre toute seule. C'était pas la bonne. Donc là, on va voir les créatures volantes. De toute façon, il va faire le tour. Les ailes volent! Ou meurent! Mais voilà, m'emmerde pas! Ok. Voilà, cette première salle avec des portes qui s'ouvrent sur des leviers qui, du coup, ces leviers-là ouvrent d'autres portes, etc. C'était qu'un aperçu de ce niveau.
Peut-être. On se retrousse la manche. On fait disparaître la main. Si. Je vais m'absenter quelques instants. Je come back soon. Vous inquiétez pas. Je suis là. Heureux. Ah si, bah, j'ai pas le focus sur la fin, ça va pas le faire.
Je sais plus. J'ai peur. Ah, ça va être chiant. Whippy! Ah! À la justesse! J'ai eu très peur! Ah, l'immondice, en veux-tu, en voilà, quoi. Et hop, comme par exemple, un truc, il va éclore. Pardon. La sentez venir la douille avec l'œuf qui va éclore, qui a même peut-être déjà éclos. Ouh, double ration de Ouzi. Genre, même pas, tu te fous de moi. Pourquoi moi je crame et lui non? C'est dégueulasse. C'est quoi ce favoritisme de merde? Franchement, voilà. Je suis désabusé. Je suis en train d'y penser, j'y pense d'ailleurs. Cela fait un moment que je n'ai plus fait de Euro Truck Simulator. Vrai que je réussisse à reparamétrer le volant. De portes fermées, bien évidemment. Un joli piège que si tu rates ton saut, t'as les pics. Ah, putain. J'ai marre du système. C'était pas passé loin. D'accord, un secret. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Mais c'était pas vraiment ça que je souhaitais. Après, j'y j'aime bien, mais la porte ne s'ouvre pas. Ah, bah c'est un levier sous-mêlé. Ah d'accord, en fait, ouais, c'est bon, ça passe. Maintenant, vont refaire le truc.
C'est triste. Non, pas tu fais ça. Pas tu sautes droit, raide. Raide droit. Oui, hop là. Ah ouais, une autre salle, une autre ambiance. On comprend pas. Pam 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 pam. Quand j'ai pas grand chose à dire, je chante. Non, oh, le saut il aurait dû être pris en compte. On peut pas. Là. Oui, je pense que c'est plus simple, effectivement. Je me casse la tête pour pas grand-chose. Je vais activer ça. Là, ça va s'emplir de lave. Hein. Et non, j'ai ouvert un autre accès. Oh là là. Bien sûr, dans l'autre sens, ça passe, bien évidemment. Ah! J'avoue, ce pourquoi il sortait du fond du cœur. Cette poussière qui ne veut pas dégager. Passer loin du dessert. J'ai combien de temps? Je suis loin d'avoir fini. Oui, mais non. Ah, ça y est, je fais de la merde. Ah, j'aurais fait qu'un seul niveau dans ce stream. Non, non. En fait, j'aime bien le. Elle a mis un temps de réagir. Est-ce que je glisse ou je reste? Non, je peux. Là, dans. Dans le script, je glisse. Allez là. Est-ce qu'il reste des gens vivants sur le stream? Vous êtes ça allait faire de deux. Je sauvegarde ici, je n'ai pas envie de tout me retaper non plus, ça va un peu m'agacer. Est-ce que c'est comme Renault toujours debout? De ça passe.
Honnêtement, moi je te dis, lance-le, hein, ça c'est un film qui ne prend pas une ride. Me fait penser que j'ai toujours pas vu le volet suivant. Je crois que c'était quoi, la tour de contrôle infernale? C'était ça. J'ai toujours pas regardé. Oh là là, mais ça me saoule ça. Un saut simple, elle n'arrive pas à le caler. Et bon, allez, on reçoit bien parce que j'en ai marre de revenir sur les sauts, etc. Attends, c'est la lave. Elle dit, tiens, moi je change le layout de la pièce et je crame là. Et ce qui est bien, c'est que là, elle ne crame pas véritablement. Comme là. Là, il y a juste un peu de brume, mais sinon en fait son corps juste devient orange. Donc là c'est juste un color swapping. Quoi, hein? Zut! Oui. Ya ya ya. Oui, de l'eau. Je planche. D'accord. Vous avez vu quand même comment c'est bien fou. Et ouais, c'était ça les jeux des années 90. Et ouais, c'était la fourberie, la. Il nous reste encore du chemin à parcourir. Je pense qu'on est à la moitié. Ouais, je pense.
suis pas mal gâtant, mission Uzi, là, je suis à 1002. Attends, il te donne que des missions de Uzi, ils vont se dire. Ils vont pas dire genre. Ouais, ils utilisent les magnums. Enfin, quoi, il y a un succès pour uniquement, durant tout le jeu, utiliser juste les pistolets de base. Et pour le moment, je n'ai pas le courage de le faire ce succès. T'as également, on va dire, une sorte de succès speedrun, faudrait finir le jeu en moins de 5 heures. Ce n'est pas mon cas. Ouais, je pense que ce seront des succès que je laisserai de côté, je pense. Je sais qu'il y a un centaure, voire deux, dans cette. Ça, je ne sais pas. Je sais pas. Après tout, on peut vérifier. Enfin. Vérifier et je te le dis. Alors, il y a un succès qui s'appelle Jouer comme vous l'avez fait sur votre console en 96. Sauvegarder 86 fois ou moins dans un seul passage. Et après, est-ce que c'est sans sauvegarde? Un succès de finir le jeu sans utiliser de trousse de soins.
Terminer le jeu en moins de 5 heures également. Et sinon. Oh, y a... Ah oui, j'ai vu ça rapidement. T'as ce qui s'appelle une nouvelle partie plus. Faudrait que je vois ce que c'est. Mais sinon, je ne pense pas qu'il y ait de sauvegarde. Finir le jeu sans sauvegarder. Enfin, de succès. Et je vais que. En même temps. Sur bah, les trois jeux, t'as en tout et pour tout 269 succès. Et un succès, trouver les 36 façons de mourir. J'en ai trouvé 7. Et après, il y a 72 succès cachés. Et je sais pas The Gazette. Mais voilà. Donc, je n'en ai pas trouvé. Alors. juste un truc genre sur. Regardez 86 fois sur un seul passage, mais. C'est possible. Mais ça, c'est le succès hardcore que si tu le déverrouilles, tu déverrouilles par ricochet l'ensemble des autres succès. C'était une salle, ma foi, curieuse. Ouais, mais fin de mois difficile. Tu connais des 12 euros, c'est deux kebabs, je peux pas me permettre. T'as entièrement raison. Après, tu dis peut-être, tu vois, avec le barbecue Barbie, t'as peut-être un mode auto-cuisson qui te fait des kebabs, enfin des kebarbies, quoi. Tu vois. Alors, ça, c'est gage de qualité de bonne foi. Des kebarbies, c'est pas mal. Allez, viens! Viens le meub! Allez le meub, montre-nous tes fesses! Ou montre-nous tes ailes! Mais je sais pas, viens! Allez! C'est bon, il a pété! Ouh, je le sens pas cette selle. J'ai les en bas. Tire!
Alors. Ah, il y a un piège. J'ai pas eu le choix. Ça fait bobo. Ça fait spooch. Boum, chakalaka. Oh là là, mais c'est quoi ces salles de l'angoisse? Mais oh, pas sauvegarder, c'est essentiel. Je voulais pas sauvegarder. Attends, il rentre dans le mur, il crie. L'enculé! L'enculé! L'encul, l'encucul, l'enculélé! Claude, l'encuculélé! Ah, dans ta gueule! Fallait pas le lâcher. Ouais, c'est. Pop, pop, pop. Fallait continuer. Connecte-toi. Attends, si je suis là, c'est qu'il y a un coup, un saut. Attendez. Si fichu, complètement fichu. Ah voilà, attends, c'est peut-être le fameux saut du cul là. Vas-y, t'as pas d'aide, approche! Dans ta gueule. Oui, je suis un peu énervé parce que le mob pressant qui te pousse et tu crames. Yes! Pas loin. J'aimerais bien finir un niveau. Je pense pas que j'aurai l'énergie nécessaire pour comment ça s'appelle? Faire le dernier niveau du jeu. Donc tu sais, peut-être quand je ferai le dernier niveau du jeu, ça fera genre une belle transition entre Tomb Raider 1 et son extension. Une affaire inachevée qui nous ramène en Égypte. En vrai, je pense que ça peut être pas mal. Pim pim. Boum pam. Pim pam.
c'est comme ça. Oh l'enculé, je l'avais pas vu. Putain, crève bâtard. Aïe, il fait mal, il fait mal. Calmez-vous, calmez-vous. On va vous arrêter. Ah là, bam. Je vous demande de vous arrêter. Ça roule, chef. Bah, merci d'être resté jusque-là. Porte-toi bien et passe une bonne soirée. Ciao. Qu'est-ce que cette salle a dans le ventre? Okay, changement de disposition. Les seuls en diagonale, c'est quand même pas compliqué. Ouais, ils sont superposés, je rêve. C'était un peu bizarre, hein. Ça, c'est un secret? T'es sérieux? Ah, ils avaient plus d'inspiration, j'ai l'impression. Open the door. Ah oui, je me souviens du truc. Agir rapidement parce que elle s'active. Eh bah c'était pas là. Pardon. Pardon. Ces conneries. Ah, c'est du délire. Oh là 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 là. Alors on est presque.
Il est tata, 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 tata. Ah, combien de munitions? 34, 110, 1602. Ça va, 1602, c'est honnête. C'est quoi ce truc qui sort? Ah, c'est des fléchettes! Ouais, on est déjà. Bah, on est à l'avant-dernier niveau du jeu, Doc. Comment ça va? Bah, disons que les textures vraiment dégueulasses où t'as l'impression que c'est de la chair. C'est toujours de la chair. Mais là, t'as l'impression. Après, c'est de l'art abstrait. Que, tu sais, les espèces de trucs volants, bah là t'as l'impression qu'il y en a un qui baise un autre truc. Genre les monstres Atlantes, t'as un monstre Atlante avec des ailes qui se tape un monstre Atlante sans ailes. Voilà, juste ici, c'est de l'art abstrait. Donc voilà, on peut en tirer aucun vu la disposition de la salle. Bug, pas bug, bug, pas bug, bug, pas bug, bug, pas bug. Alors, comment qu'on fait pour cette salle? Attends, il me semble que. Je sais pas, c'est le doppelganger. On le trouve dans le dernier niveau, la grande pyramide. C'est dans l'Atlantide, j'ai un petit doute. Oui, c'était pas fou, j'avais bien 1602 balles de Uzi. Ah, t'as cru que j'allais me faire verre, hein? Oh, l'argent. Après, t'as juste le gros mob là, que Natla relâche, et qui est le boss du début du dernier niveau. Et en plus, t'as des. De toute façon, t'as. Ah oui, d'accord, c'est. Choisis comment tu veux crever. Ok. Alors. Je peux faire un truc. Non, ça marche pas, oh là là. Elle est trop petite, nous. Non, tu peux continuer à pousser ou non, non, ça suffit. Ok. Toujours le bug, bien évidemment.
Hop. Ti 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 ti. Y a rien d'intéressant. On va voir s'il y a un truc. Genre, je dois sauter au dernier moment, ça, ce qui m'étonnerait, mais bon, on va essayer. Hein. Je suis toujours debout. Tout va bien. C'était totalement maîtrisé. En fait, c'était... Ok. J'ai choisi le chemin ardent. Ah, des ennemis. Toujours. Affrontement, affrontement. Non, bien sûr, genre. Ah non. Ils piquent, hein. Allez, fermez bien vos gueules, laissez-moi tranquille. Ah bah, oui! De toute façon, il n'y a pas trop de finesse hein, dans les Tomb Raider dans certains sens. Glissade! Ouais! Putain, vas-y, il y a le doppelganger. Si je me tire dessus, je meurs. Mais bon. Il y a un peu trop de tirs croisés. Fais-moi un sourire. On dirait, là c'est totalement E.T. Et là c'est été. Ok. J'ai trouvé le piège, j'ai trouvé la faille. Ichi n'est plus. Oh, de sérieux.
Ouais, bah attends, fais pas ça. Ouais, on va dire c'est pas tellement rare, c'est plutôt gore. Et oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi pour l'esprit Indiana Jones 2, avec tout ce qui est chair et muscles battants. Effectivement, l'inspiration est bien réelle. Sale bâtard! Aïe! Oh, attends, c'est bon. J'en suis pas beaucoup servi. Voilà, dans ta gueule. Le shotgun, ça calme les gueules. Slogan. En fait, le shotgun, c'est l'arme que tu utilises tellement pas dans le premier Tomb Raider. Pourquoi? Que quand tu récupères des... tu récupères peu de munitions, tu récupères peu de cartouches. Et tu dis, c'est bon, j'économise. Avec j'étais en sécurité. Comme tu dis, je sais pas. Juste parce que j'ai dit tout à l'heure que ce serait le dernier mot que je ferai en stream, il s'est dit, tiens, je vais t'en faire baver, mon gars. Bon. Pour le chien, on y va quoi? Au flingue? Un petit coup de shotgun? Magnum? Uzi? Je te laisse le choix. Bon, très bien. Ah, attends, on va. Enfin, je le récupère, non? Ah, bah non, c'est. Bah, enfin, je le récupère. Autant pour moi. Nous te condamnons, Nakla d'Atlantide, pour tes crimes. Pour avoir très mal utilisé tes pouvoirs et nous avoir volé les nôtres. Arrêtez, je. Pour avoir brisé le triple sceau qui dirige et protège notre peuple et nous avoir
Regardez-vous, aucun de vous n'a la moindre parcelle de créativité dans la tête. Vieux fou. Bien, allons-y. Tiokan, tu as profané un lieu sacré pour satisfaire ton seul plaisir, un atelier de monstres. Ce sont des survivants, une nouvelle génération. Un troupeau à abattre. Et toi, nous t'enfermerons dans le néant. Dans tes veines, ton cœur immonde et ton cerveau malade, ton sang gelé ne coulera plus. Tu ne connaîtras plus le repos, Natla. Mais toi non plus, ni ton maudit continent. Vous revoilà, comme vous, pour la grande réouverture, je présume. L'évolution s'enlise, la sélection naturelle est plus lente que jamais. Et cette chair bien fraîche réveillera les haines ancestrales et cruelles, nous donnant force et conviction, et même de nouvelles races. Une évolution grâce aux stéroïdes, en fait. Un bon coup de fouet. Ces idiots de Qualopec et Tiokan sont des ignares. Le cataclysme de l'Atlantide a engendré une race de mauviettes, les ramenant au stade primitif de la simple survie. Ça n'aurait jamais dû arriver. Moi, j'arrive. L'éclosion commence dans 15 secondes. Trop tard pour un avortement. Passons le cœur de l'opération.